merci beaucoup et bonsoir à tous. Moi, je suis très émue de vous voir tous en l'honneur de Brigitte Bardot. Je pense que Bernard, vous saurez raconter ça à Brigitte parce que il me semble que c'est important pour elle de savoir qu'il y a là autant de Tropéziens et de Tropéziennes pour entendre parler d'elle. Anne-Cécile a dit des choses profondément justes, très très bien exprimées, bravo. Personnellement, je voudrais dire que j'ai toujours aussi été sensible, je vais simplifier comme ça, la question animale. Et quand j'ai été élue présidente du MEDEF en 2005, j'ai tout de suite souhaité organiser chaque année grandes réunions politiques, économiques et aussi intellectuelles. C'est ce que j'ai réussi à faire chaque année à la fin de l'été, au mois d'août, sur le campus d'HEC. Et ça, ça me plaît, ça s'appelle toujours, parce que ça a continué après moi, les universités d'été du MEDEF. Mais l'innovation que j'ai voulu donner, c'était de faire comprendre que les chefs d'entreprise pouvaient parler d'autre chose que d'économie. Et donc, avec ma sensibilité, dès 2005, j'ai voulu introduire le débat, la réflexion sur la question animale. Parler de la question animale avec des chefs d'entreprise, ce n'est pas simple. D'autant plus que chez les chefs d'entreprise très engagés, comme ceux du MEDEF, il y a beaucoup de chasseurs. Donc je me suis dit, d'emblée, évidemment, si j'arrive à faire en sorte que c'est Brigitte Bardot elle-même qui vient leur parler, ça sera peut-être un petit peu différent. Et donc j'ai contacté Brigitte Bardot dans cette optique en lui proposant de venir s'exprimer devant les chefs d'entreprise à l'université d'été du MEDEF à Jouy-en-Josas. Alors évidemment, comme Anne-Cécile l'a parfaitement évoqué, la sauvage Brigitte Bardot, qui n'aime pas du tout prendre l'avion pour venir à Paris, a décliné cette invitation, mais avec une lettre reçue par fax, magnifique, avec cette calligraphie qui est unique, qui caractérise, c'est une police qu'aucun ordinateur ne sera jamais capable d'imaginer. Et donc cette première réponse de Brigitte a été mon premier contact avec Brigitte par ce fax qui déclinait, mais avec beaucoup de gentillesse et déjà d'amitié. Voilà, ça c'est ma toute première rencontre épistolaire là aussi avec Brigitte Bardot. Quand ensuite j'ai quitté le MEDEF à l'issue de mon deuxième mandat, et que j'ai continué à réfléchir à la question animale, il y a eu un moment où j'ai vraiment eu l'intime conviction que, pas simplement en France, mais à l'échelle de la planète, c'est Brigitte Bardot et personne d'autre qui avait tout compris, avec vraiment des décennies d'avance, le drame de la question animale. En réalité, il y a beaucoup de personnes qui ont compris. Il y a des penseurs, il y a des philosophes. On peut parler du Dalai Lama, on peut parler de tel écrivain. Mais je ne sais pas si quelqu'un a autant exprimé aussi fortement, avec autant de puissance, le drame que vivent les animaux que Brigitte Bardot. Donc en pensant à tout cela, j'ai voulu reprendre contact avec elle et là, il m'est arrivé la même magnifique histoire qu'Anne-Cécile. Il y a un moment où Brigitte Bardot vous dit « Mais qu'est-ce que vous attendez? Venez me voir à la Garrigue !» Comme si c'était bizarre de ne pas être venue plus vite. Puis ensuite, évidemment, les conversations, les échanges ont permis une rencontre tout aussi forte que ce qu'a décrit Anne-Cécile et puis une implication accrue dans la fondation Brigitte Bardot. Et là, je voudrais simplement rajouter deux ou trois caractéristiques en plus de toutes celles exprimées par Anne-Cécile qui sont toutes
juste, pertinente. Moi, je voudrais vous dire d'abord que même si c'est vrai que Brigitte, c'est d'abord une intelligence émotionnelle poussée à l'extrême, c'est pas simplement de l'intuition, c'est aussi de la réflexion. Alors, elle n'est pas calculatrice, ça c'est vrai, elle ne fait pas ça en se disant « si je fais ça, après va se passer ça ». Mais c'est quand même aussi, en plus de son émotion, c'est aussi une pensée.